Hello. Alors, on se retrouve. Vous avez pu voir que j'ai farm les têtes de Wither. Alors, à votre avis, vous devez sans doute savoir pour quelle raison. Hop, on en profite au passage. À fond du bruit, ces machines. C'est pas croyable. Alors, je voulais me faire une petite pioche. Parce que j'essaye d'avoir le skill touche. Ah, j'ai pas de stick, j'ai dû le mettre ici. On va aller après ça dans la Twilight. J'ai fait quelques modifications. Vous allez voir les modifications. Non, ça me plaît pas. J'aime bien quand il y a maximum d'écriture sur le niveau 30 là. Qu'à chaque fois j'ai remarqué, on a des bons enchantements comme là, mais. Oh, j'hésite parce que j'aime bien quand il y a deux lignes aussi. Non. Ah là, ça me plaît. Voyons voir. Bon, pff, dommage, dommage. En tout cas, ça pourrait me faire une défense de 5. Bon, on va aller. Ah oui, bah, j'oubliais. On va se faire un petit truc. Alors pour ça, il va falloir que je récupère le fameux Extractuity. Dividian. D'ailleurs, je sais même pas si dans Twilight ça fonctionne. J'ai pas pensé à ça du tout. Ah. On va voir. Il y aura besoin de la table d'enchantement. Ouais, c'est. Ah oui, un autre truc. Parce qu'il faut des mobs. Enfin, il faut faire un sacrifice pour ceux qui ne connaissent pas le rituel de. Non, on va aller. Tiens, il y en a qui s'échappe. Alors, il doit y avoir des olores. Hop, on va prendre ça. Non, parce qu'elle, je vais la poser de toute façon. En tout cas, j'espère que dans tout là, que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah on est mal parce que j'ai pas prévu ça du tout. Alors il faut que une salle complètement noire, comme vous pouvez voir là, il fait noir. Bon, j'ai mis des carpettes pour que ça spawn. Il faut éviter que la lumière passe. Alors là, c'est des rideaux d'extractivité qui empêchent carrément la lumière de passer. Bon, là, c'est des blocs de verre. Logiquement, ça, la lumière passe pas. Ah bah, oui, c'est bon. Donc, on rentre dedans. Oh, il n'y a pas de mob. Alors, le truc, c'est qu'il faut faire un carré de redstone. Enfin, un petit truc comme ça. Et attendez, je vais enlever ça. Ça va être mieux. Et il faut de la terre. Ensuite, il faut anticiper. Normalement, c'est 8. C'est 1, 2, 3, 4. Bon, 5, 6, 7, 8. 8 de chaque côté, ça fait un cercle. Vous posez la table d'enchant. Et ensuite, il faut que vous ayez ça. Mais ah, le problème, c'est que voilà, il brille pas. Je sais pas s'il fait nuit ou jour dehors. On va aller voir ça. Ouais, dans la toilette, c'est pas évident. Ah, il fait tout le temps nuit. Ah, bah voilà, problématique. Bon, bah, vous savez quoi, on va se retrouver. On va se retrouver dans l'Overworld. Allez. Allez, viens par ici, petit creeper. Non, explose pas tout de suite. Yes! Voilà. Bon, j'occupère ça.
avant que... Et puis on va s'enfuir. Ouh là. Ouais, vous voyez, c'est un gros carnage. Bon, on se sauve. Bien, nous voilà. Donc, je remets ça en place, moi. Non, je me suis un peu gouré. Alors, j'ai peut-être pas expliqué, mais bon, le truc, c'est qu'il faut qu'il fasse pile poil minuit, je crois. Alors, pour ça, il vous faut une montre comme là. Bah, là, c'est le jour. Il est midi, du coup, non, ça marche pas. Il faut attendre pile poil minuit pour pouvoir l'activer. Enfin, pour, ouais, enfin, pour qu'il brille, puis il vous restera pas beaucoup de secondes. Enfin, 1 minute ou deux, je crois. Aïe, ça fait plus que ça. Bon, ça a bon à prendre. Ça nous permet de d'avoir du XP. Enfin, du niveau. Bon, là, on va... On va regarder tout ça, de toute façon. Et là, on va faire autre chose. On va récupérer les têtes... Non, les têtes, je les ai mises là-bas. Et puis il va nous falloir de la soul. Ah, je suis monté un peu trop. Donc, il va nous falloir aussi de la... Oula, j'en ai que 4. Il va me falloir plus. Peut-être aller en chercher vite fait dans le nether. Bah, je reviens, je vais chercher ça dans le... Bon, bah, nous revoilà. J'ai récupéré un petit peu. D'ailleurs, on peut faire un tri. Ah, et à chaque fois, il y a toujours deux différents. Bon, attendez, je vais... Si, les graines, je vais les vider. La tête de zombie, on va la jarter. Alors, sangar, ça met... Brique, on pas besoin. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai dû tuer un chien, j'ai pas dû m'en rendre compte. Bonsoir, c'est de recevoir. Donc, j'ai pas préparé... Non, c'est... Ouais. Je vais juste mettre ça ici, je vais pas me prendre la tête. Normalement, c'est pas assez grand, ça. Voilà. Je crois que ça devrait suffire ça. Donc... Ah non, il faut poser directement dessus, sinon ça n'a pas fonctionné. Hop. Attention. Faut pas trop rester là parce qu'il explose et puis il fait boum boum. Ouais, là on peut tous le taper tranquille. Bon, évidemment, comme les dégâts n'y sont pas, bah du coup il est assez facile, je vais pas vous cacher. Ah, mais c'est excellent ça! J'ai pas gagné beaucoup d'XP par contre, je suis un peu déçu. Bon, en tout cas, on a la Nether Start. Et cette Nether Start va nous permettre... On va aller voir tout de suite qu'est-ce que je veux faire avec... Quoique, on peut peut-être voir déjà directement dessus. Alors, je vais pas faire ça, le Nether Start Generator, ok. L'Advance. Efficacité, essence. On peut faire énormément de choses, je vois. De John Cage. Breaker. D'accord, on peut carrément faire un Nether Start Block. Ah voilà, c'est ça que je veux faire. Je sais pas à quoi ça sert ça. Oula. Ça a pas l'air... Ouais.
Ouais, bon, c'est un peu space. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'anneau. On remonte, non, on descend. Alors, extra utility. Alors là, c'est Angel. Alors, là, c'est invisible, Freddy. C'est des plumes. Dragon. Girl. Ah, il va falloir faire les deux lingots avant. Bah, je reviens, je vais juste voir en créa laquelle je vais me faire.